Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal Mi-temps journée sur télévision nationale d'Haïti. Pour démarrer le journal, le secrétaire général Marché commun Caraïbes, CARICOM, Irwin Larocque, rentré dans le pays jeudi 22 février 2018. Là. Présent secrétaire général CARICOM en Haïti, rentré dans le cadre de la mise en place qu'a faite pour occasion 29e réunion intersession conférence chef l'État gouvernement CARICOM qu'a réalisé 26 et 27 février 2018 là dans la capitale là. Secrétaire général Marché commun Caraïbes là, Irwin Larocque dans micro John Herbie Casseus avec Hervé Pierre. Bienvenue aujourd'hui pour préparer pour la grande réunion chez mes prochains. Demain, moi en réunion avec le président Moïse, pour parler contre toute bagaille contre la réunion là. Et demain aussi, en réunion avec les private sector, les businessmen, mm-hmm. pour parler contre CARICOM Single Market and Economy. Mm-hmm. Ça, c'est un arrangement pour trade, pour faire commerce. Among tous ces membres CARICOM, so ça c'est demain. Pour la grande réunion, les chefs d'État, les premiers ministres de tous les pays CARICOM, ils sont venus dimanche et lundi matin, la réunion a commencé. Il y a pour parler contre climate change, disaster preparedness, et c'est l'autre bagaille comme ça. Nous qui parlons contre ces bagailles. Le président Moïse, c'est le président de CARICOM. Il est chef CARICOM pour les prochains 6 mois. Il est chairman. Tous les chefs qui sont venus ici pour joindre, pour parler, contre tout ce que c'est. Et ici, on m'a CARICOM, trade, commerce, c'est un de ces bagages que nous avons parlé contre. Bagages contre climate change et disaster. Tous les pays caribes. Climate change qui affecte les hurricanes, cyclones, qui marchent top. Nous avons parlé contre ça, nous avons fait puis l'on est l'autre, pour aider l'on est l'autre, laisser cyclone ça venir. Et l'autre disaster, earthquake, nous avons parlé contre tout ce qui est passé ça, en Haïti, qui bénéficie pour tout ce qui est passé ça. Des ambassadeurs tout neufs remettent les créanciers mercredi 21 février par le président de la République, Jovenel Moïse. C'est ambassadeur États-Unis, Michel Jean Sison, avec ambassadeur pays Guatemala, Rudy Armando Lopez. Des diplomates qui ont contribué à renforcement des rapports amitiés entre pays et Haïti en divers domaines, qui ont lutté contre catastrophes naturelles et l'autre encore. Il y a un reportage de Sabine Jean-Étienne avec Jean-Ariel Duvernay à présenter nous. Ambassadeur tout neuf pays États-Unis, Michel Jean Sison, vient remplacer dans poste ça diplomate Peter Mellrin qui prend retraite li depuis février 2017. Michel Sison dit li prêt pour renforcer rapports amitié entre Haïti et États-Unis. D'autant plus, li déjà une expérience diplomatique en Haïti sorti l'année 1982 pour arriver 1984. Je suis tellement content d'être ici. J'étais ici à Port-au-Prince, en poste comme jeune diplomate entre les années 1982 et 1984. Alors, c'était toujours ma rêve de rentrer en Haïti en service diplomatique. Alors, cela a pris 35 ans, mais je suis là et je suis prête à travailler étroitement avec le gouvernement et le peuple haïtien pour renforcer les liens bilatéraux entre nos deux beaux pays. Je suis tellement contente d'être ici aussi parce que j'ai eu un grand respect pour le peuple haïtien, la culture haïtienne, l'histoire fière de ce beau pays. Ambassadeur Guatemala, Rudy Armando Lopez, Bocotepal,
10 pays libres pour travailler dans tête collée à Haïti pour offrir l'État haïtien compétences dans le domaine gestion risque et désastre. Le thème du tourisme. J'ai parlé au président sur la possibilité de travailler sur des accords bilatéraux afin qu'on puisse collaborer dans le sens de la prévention des catastrophes naturelles et le développement du tourisme. Guatemala, c'est un pays très sismique en fait. On a des failles qui sont pratiquement dangereuses et ça fait déjà 25 ans qu'on travaille pour pouvoir prévenir ces genres de catastrophes et on pense avoir les connaissances nécessaires pour partager tout ceci avec Haïti. Nous avons l'expérience pour pouvoir transmettre à Haïti. Dans environ 4 jours encore, Haïti a parlé pour recevoir 29e rencontre intersessionnelle CARICOM côté question risque et désastre dans la région. On va le débattre pendant 2 jours sous différents aspects. Merci Sabine et Jean-Naël. L'autre information dans le journal ça, dans l'occasion 21 février, Journée internationale langue maternelle, l'Académie créole haïtienne, installé 5 nouveaux académiciens et 12 membres conseil consultatif. Célébration Journée ça déroulée sous thème Langue maman dans l'éducation, oui apprendre, c'est comprendre. Un reportage d'Aline Dorival. 5 nouveaux académiciens et 12 membres conseil consultatif. C'est quantité personnalité académique créole haïtienne installée dans l'occasion Journée internationale langue maternelle là. Une représentant nouveau académicien yo, Rachel Charlier Doucette, dit yo prend engagement pour permettre langue créole la jeune place li dans société a et puis travaille pour droit moun qui parle créole seulement yo respecté. Nous prend engagement devant nous toutes ici là devant pays. Pour nous travailler pour langue créole là, réussir je veux une classe, les doués gagner dans mitan société. Place ça m'a connu à tout respect de la linguistique population pays d'Haïti. C'est une mission qui est importante, loi ça dans nous. Et nous-mêmes, nous voyons académiciens, nous croyons dans la mission ça. Parce que nous croyons, pays n'a pas qu'à sortir. Dans le système de l'injustice, inégalité, fausse côté qui caractérise là, s'il n'est pas respecté droit de tout citoyen haïtien. Et dans le temps, droit ça, droit linguistique, doit recevoir en pile attention. Langue maman, c'est identité. Langue maman, c'est nom nous. À travers langue ça, nous sentons nous exister. C'est déclaration ministre Kilti à communication Limon Toussaint. Qui promettent administration Moïse à gouvernement Lafontan, pape Sispan, accompagné académie créole haïtienne. Thème jodia, c'est langue maman dans éducation. Oui, apprendre pour comprendre. C'est vrai, créole là a facilité dans l'école, dans l'université, dans le centre professionnel, éducation. Tout le monde la permettre à côté de notre langue que tout élève, tout étudiant, tout apprenti ouais plus clair, plus comprendre. Dans ce sens, il y a nécessité pour nous renforcer la traduction livre à écriture livre en créole et apprentissage créole là tout. Président Académie créole haïtien, Pasteur Poris Jean-Baptiste, souhaitait autorité au pral travail pour permettre langue créole la tourner une outil communication CARICOM. Haïti prend langue créole là comme une langue officielle dans CARICOM, n'a créé un pile job pour haïtiens. Dans le problème, dans la question de traduction, on a créé un peu de job parce que là où on marchandise à la vente, n'importe côté, dans une zone créée comme ça, on a mis des étiquettes en créole, ça fait promotion non seulement pour langue créole là, mais pour nous comme haïtiens. Et puis on a décomplexé nous comme peuple parce que nous avons besoin. Décomplexez-nous et sans compter tout haïtien qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en France,
en nous baille population nous yo chance en nous adopter langue créole là comme langue officielle dans territoire. Langue maman dans éducation, oui, apprendre c'est comprendre. C'est sous thème ça, célébration journée internationale langue maternelle là déroulée à Nessa. Assemblée sénateur attendait mercredi 21 février membre conseil supérieur police nationale la CSPN rencontre ça qui rentrait dans activité Sénat qui portait nom mercredi contrôle permet sénateur yo toucher divers points qui gien rapport avec des faits qui éclaté dans démarche public en bas la ville là démarche pour supporter marchand victime yo conditions travail police là. Dans l'occasion, le président Sénat Joseph Lambert et le président Commission Justice et Sécurité Sénat, Jaouenel Senatus, présentaient préoccupation by CSPN d'après eux qui doit agir pour porter correction. Nous invitons à suivre. Tel incendie du marché en fer dans la soirée du lundi au mardi, le marché Hippolyte, l'incendie de la matinée du dimanche du marché dénommé Guérite et également un ensemble de fausses alertes du côté de Léogane et du côté de la télévision nationale d'Haïti. Nous invitons donc le président de la prestigieuse commission justice et sécurité publique du Sénat de bien vouloir gravir la tribune pour une mise en contexte. Nous devons connaître avec CSPN non, qui mesure au prend déjà, puisque le Premier ministre là comme chef de gouvernement, pour yo recapitaliser marchandes. Des marchandes qui étaient achetées à crédit ou du moins qui prend des prêts dans mes banques et tout bagage ça au boulet. Est-ce que des mesures déjà qui prend? Si des mesures qui en perspective, Premier ministre a fait nous connaît qui ça oui. Et dernière question et souci que nous gagnons au niveau commission, nous estimons gagner un chirépit entre ministre justice là avec commissaire gouvernement Port-au-Prince là. En dans commission justice là nous prenons note de ça parce que nous ouais à travers la presse, on l'aide commissaire là écrit à ministre là pour le remettre démission. Nous avons on l'aide responsive que premier ministre là baille pour le dire à commissaire gouvernement pas de problème, restez dans poste là. Maintenant pas ouais premier ministre là, pas ouais l'aide premier pas ouais ministre justice là ni pas joindre l'aide lui. Toujours sous même dossier, un Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, qui c'est tout président Conseil supérieur police nationale, a annoncé enquête sur des faits qui voulait démarcher public en bas la ville, a fait chimène sans problème. Premier ministre Lafontaine a annoncé gouvernement déjà entreprenant ensemble des marches pour supporter marchands victimes. Il y a un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilwitch. Nous gagnons soit des incendies ou encore nous gagnons de fausses alertes, comme l'a dit le président, d'incendie depuis lundi gras. En ce qui concerne incendie marché Guérite, non? Nous avons enquête de police et enquête judiciaire qui est en cours. Et comme nous connaissons, enquête pas qu'à faire objet de publicité. Nous ne sommes pas capables de partager devant écran télévision détails concernant l'enquête qui est en cours et cela pour les besoins de la cause. Ça me voulait parler de marché en fer. Là. Mais en ce qui concerne marché Guérite, dernière information qui gagne, bien sûr, enquête n'a pas continué. Et qu'il y a une arrestation qui est faite. Et incendie ça, l'État a un incendie accidentel. En ce qui concerne les autres cas, je vais éterniser M. parce que le président lui-même, dans la présentation, il parlait de fausses alertes.
Ma réponse à différentes questions qui étaient posées et tout de suite après, DG la police, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, commissaire du gouvernement, secrétaire d'État sécurité publique, y a ajouté des éléments de réponse à ça que m'a baillé. M'a profité occasion une fois de plus pour me présenter solidarité gouvernement à toute machine qui est victime d'incendie Sahara, à savoir incendie marché en fer et incendie marché guérite. Et me profiter occasion tout pour me renouveler, n'est-ce pas vrai, ça que le président de la République te dit, ça que nous-mêmes nous dit, administration Moïse Lafontaine, lié avec eux, l'a encadré et l'a aidé à passer le mauvais cap que y a passé là pour yo, pour nous capables de recapitaliser, yo, pour nous reprendre, n'est-ce pas vrai, business yo en main, parce que marchands ça, ils représentaient pierre angulaire économie haïtienne. Le dossier dans le journal ça, ministère santé publique et population sous patronage première dame république là, inauguré mercredi 21 février à Institut national supérieur formation sage-femme. Une cérémonie qui fait en présence directeur général du projet intégration et développement pays Mexique, ministre développement international francophonie Canada, Fondation Unie pour population, cadre employé ministère et institution. Yon kontrandi Rachel Saint-Fort. C'est dans l'idée pour former ressources humaines qualifiées et compétentes dans le domaine santé, ministère santé publique et population inauguré Institut national supérieur formation sage-femme. Institution ça a pour rôle former dans bonnes conditions sage-femme professionnelle capable de combattre et diminuer taux mortalité maternelle et infantile. Sage-femme ça là pour faire éducation jeune dans santé sexuelle et reproductive, accompagner, soigner et puis conseiller femmes qui par enceinte ak sak enceinte pendant grossesse, fait accouchement, bayti bébé soin, conseiller dans allaitement, planification familiale. L'ouverture de l'École nationale d'infirmières sages-femmes en l'année 2000 et la création de l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes INSFSF par le décret du 27 janvier 2011 offrant deux filières de formation, 18 mois pour les infirmières diplômées, 36 mois pour les diplômées Bac 2, présente de nouvelles options au MSPP pour renforcer la gamme de soins. Le but de ce programme de formation est de former des sages-femmes qualifiées et adaptées aux besoins de la société haïtienne, tout particulièrement en matière de santé maternelle et infantile. L'inauguration aujourd'hui de ce temple du savoir est une véritable fierté pour l'équipe de l'INSFSF. Elle témoigne aussi de la nécessité et de la vitalité de notre nouvelle profession dans le pays. C'est un défi aussi, dans la mesure où il doit sortir des cadres compétents pour la prise en charge globale des femmes enceintes et des nouveau-nés. Cet alma mater restera le temple du savoir et de la formation des sages-femmes. Réduisons ensemble la mortalité maternelle et néonatale en Haïti à partir de nos sages-femmes compétentes. Dans l'occasion, un partenaire international qui aide dans la construction du bâtiment sa mise en place curriculum formation institution renouvelé engagement pour continuer à aider le gouvernement dans le fort la fait pour permettre la population haïtienne d'avoir accès à soins de santé. Avec des taux élevés de mortalité maternelle et des grossesses chez les adolescentes, le besoin de sages-femmes professionnelles se révèle très élevé. C'est donc pourquoi le UNFPA en Haïti rejoint le gouvernement dans sa stratégie de santé reproductive et se porte le rôle des sages-femmes. Oui, je suis convaincue
qu'une sage-femme formée professionnellement est la meilleure défense contre les mauvaises pratiques. Deux nouvelles contributions du Canada. La première permettra à l'Institut de former 610 sages-femmes supplémentaires et de créer deux écoles satellites afin d'augmenter l'offre de services dans le Sud-Est, le Nord-Est et Grand-Anse. La deuxième contribution, la deuxième annonce d'une valeur de 550 000 $ appuiera l'organisation Zamni la Santé. Cette initiative, on veut aider les femmes et les filles victimes de violences sexuelles à obtenir des services améliorés, des soins de santé et de l'assistance juridique. C'est 58 étudiants qui ont bénéficié de la formation Institut national supérieur formation sage-femme à profil communauté. Il y a environ une quarantaine d'enseignants monitrices terrain. D'après responsable, nouveau bâtiment ça respecte les règles parasismiques, il y a un équipement moderne. Il y a une cafétéria, infirmerie, archives, salle simulation, laboratoire informatique, dortoir, salle réunion, différentes salles cours, bibliothèques, blocs sanitaires. Une délégation parlementaire visitée mercredi 21 février à Marché Million sous Bodmea après gros difficultés qui étaient éclatés dimanche 18 février passé à dans Marché ça. Délégation ça a été la donne, président commission affaires sociales Sénat République là, Wannick Pierre, sénateur Dieudonne Luma Etienne, président commission droit femmes dans Sénat avec sénateur Garcia Delva. Nous invitons à suivre un extrait dans micro Fidel confident avec Moïse Wilwich. Trois jours après Godifé qui était éclaté dans le marché million, le sénateur Noah Dieudonne Luma Etienne, qui était avec le sénateur Nord-Ouest, la Wannick Pierre, et le sénateur Latibonite Gracia Delva, visitaient le marché de victimes. Déblayer le marché, jouer assistance psychologique et assistance sociale, c'est différentes revendications parlementaires recevoir dans le marché de victimes, d'après le président de la commission conditions femmes et droits femmes dans le Sénat, Dieudonne Luma Etienne. C'est pour nous venir solidariser nous avec machin yo femme tant kou garçon qui jodi an deux bras balancés après l'amoué par rapport à ça que du fait en fait yo et en même temps c'est pour que ça ka aide nous mieux jouer rôle parlementaire nous mieux jouer rôle de contrôle nous en tant que parlementaire puisque nous connaît que exécutif lan est en montée yon commission interministérielle qui pour chita sous problématique machin yo et nous t'est venu pour nous sûr que tout va évoluer bien et en même temps pour nous prendre doléance yo permettre machin yo qui victime n'en bénéficier aide à assistance c'est priorité président commission affaires sociales sénat Wannick Pierre qui dit li pral travail pressé dans tête collé à comité interministériel là pour répondre à revendication machin qui victime yo pour ensemble de monde qui prend radio chaque jour qui a dit aux victimes mais nous mêmes nous à la recherche de vraies victimes yo parce que nous pas d'avle chaudière monter et bien sous nos grand monde pour descendre sous nos petit monde et ça a été fait en Haïti déjà c'est ça qui permet que aujourd'hui nous venir faire état des liens pour nous sûr et bien ça qui va venir yo va aller dans de bonnes directions plusieurs marchands pas de cacher satisfaction suite à visite ça. Yo souhaité sénateur au travail avec l'autre instance dans l'état pour permettre yo reprendre activité yo. Nous remercions chambre sénat jodia qui vient visiter nous qui vient faire visite des lieux pour nous pour ba nous aider li. Nous remercions tout le monde marché Hippolyte, remercier toute instance qui était campé ensemble avec nous. Merci. Gati yo ba nous fait nous connaître d'ici et vendredi si Dieu veut. En disant, la vini, la commence à faire des blagues. Et c'est lui-même qu'on a prétendu en pile. Si lundi, si Dieu veut, il était capable de nous possibilité pour nous commencer chita, franchement, nous sommes contents. Et nous sommes contents et nous sommes dit merci en pile. C'est ça qui est important pour nous. N'a pas rappelé, dit fait ça qui était éclaté dans le marché Hippolyte là, qui était plusieurs centaines de marchands des bras balancés. Merci Faland avec Moïse. Député Mibaléa Abel des Collines a annoncé l'écrit président République là Jovenel Moïse sur un ensemble point qui t'a doué représenter priorité caravane changement dans département centre. Encadrement pour petit et moyen business, sécurité agriculture et élevage et puis courant, c'est parmi quelques points parlementaires cités. Abel des Collines encourage administration Moïse et gouvernement Lafontan pour faire une évaluation sur potentialité département ça. Nous invitons à suivre un extrait. Lettre tout l'ouvri ça, li articulé sous un ensemble de propositions sous ça qui doit être fait comme activité, comme projet pour aider à ce que
département du centre li capable développer pour que le département du centre li capable si volonté président Vlessa bénéficier de projets durables à travers l'aide Touloubrissa notamment. Comme vous le savez, le président de la République, entre autres promesses, l'a dit dans 24 mois, un peu moins ce même journée aujourd'hui, la permettre que Haïti gagne courant 24 sur 24. Il proposait à président Jovenel Moïse, si vraiment l'Ivlé choisit un département pilote pour que courant 24 sur 24 à l'impossible, eh ben youn nan rare de département dans pays côté ça capable réaliser ces départements du centre. Pour qui ça département du centre capable pilote dans question courant 24 sur 24 là, plateau central comme vous le savez, c'est lui-même qui gagnait la donne centrale hydroélectrique Pelig qui capable produit entre 45 et 54 mégawatts d'électricité. Donc, dans la proposition nous fait dans l'aide Touloubrissa, nous demander à ce que le président de la République, le gouvernement en place, soit capable de veiller à la réparation qu'a faite dans le barrage Pelig en termes de qualité et utiliser bien évidemment potentiel énergétique ça pour alimenter les 13 communes et les 35 sections communales. Mais à côté de centrale hydroélectrique Pelig, il y a l'autre patrimoine énergétique encore qui n'est en plateau central, département du centre, c'est Ondvet qui n'est arrondissement de Belader, qui est capable lui-même, si gagne une réparation qui fait, produit entre 6 à 8 mégawatts d'électricité. Donc voilà, il y a un élément de proposition yo nous fait avec le président de la République. N'a pris un coup de pause dans le journal là, restez branché, n'a tourné dans un petit moment. Dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump recevra dans la Maison Blanche élèves et parents victimes fusillades par clan de l'an mercredi 21 février 2018 là. Pendant la rencontre, le président Trump n'a pas caché intention li sous l'idée pour autoriser professeurs à porter des armes pendant une salle classe. Nous invitons à suivre un reportage. Président américain a annoncé intention li pour autoriser 20% équipe pédagogique yo porter armes en cachette dedans l'école pendant y a bien pour suivre une formation spéciale. Président Trump déclaré décision ça empêcher malade mental yo rentrer dans l'école yo faire viezak. Tu vas annoncer tout li pral prend mezi qui force ou vérification passer tout monde qui a envie acheter des armes. Famille 17 victimes yo te présent tout dans rencontre ça. Tu as jodi encore un jeune garçon de 20 années rentré dans un magasin et acheté un AR-15 dans 7 minutes avec une pièce d'identité périmée. Comment ça fait facile qu'on s'approche acheter des armes ça? Dans un silence total, tu te prends doléance Andrew Polak qui c'est papa youn dans 17 victimes yo. Combien l'école, combien de monde qui doit perdre la vie? Ça doit suspendre pour nous avec l'administration. Moi, pas donné jusqu'à ce que le problème soit réglé. Pour n'a pas la polémique, là, c'est bail professeur aux âmes pour améliorer la sécurité dans l'école. Yo. De nouveau, ambassadeur met les créanciers mercredi 21 février par le président de la République, Jovenel Moïse. C'est ambassadeur États-Unis, Michel Jean Sison, et ambassadeur pays Guatemala, Rudy Armando Lopez. Conseil supérieur police nationale d'Haïti répond à une question sénateur dans le cadre d'activité qui pote non mercredi contrôle. Plusieurs sujets qui ont rapport à la sécurité pays a abordé. 21 février marqué journée internationale langue maternelle. Célébration journée ça a déroulé sous thème langue maman dans l'éducation. Oui, apprendre, c'est comprendre. C'était occasion pour l'Académie créole haïtienne installer 5 nouveaux académiciens avec 12 membres conseil consultatif dans l'institution. À l'étranger, président américain Donald Trump prévoit mettre des armes dans les professeurs à l'école pour sécuriser l'établissement scolaire. Le président américain mette l'idée ça d'ailleurs pendant une rencontre qui a gagné hier mercredi. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Restez branchés, Télévision nationale d'Haïti, pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.